Gardium Leviosa. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui. Alors non, nous ne sommes pas là pour faire un podcast sur Harry Potter, mais comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est là pour voir du clash, on est là pour voir du drama. Oui, allez, allez, de toute façon on sait pertinemment que c'est ce que vous kiffez le plus sur YouTube. Et ça tombe super bien puisqu'aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir. Comme vous le savez, depuis maintenant déjà de nombreuses années, les marques se clashent sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, au travers de messages plus ou moins subtils. Mais on a aussi souvent droit aux marques qui clashent les clients. Et bien souvent dans ce cas-là, c'est des clients qui montrent leur mécontentement de manière non respectueuse. Alors qu'on soit clair, des fois une petite tartine dans sa gueule, ça lui fait pas de mal. On peut d'ailleurs voir un exemple juste ici de Thomas qui essaye de clasher. La SNCF s'excuse suite à un retard. Le défilé du 14 juillet sera reporté au 15. Suite à ça, la SNCF qui ne se fait pas prier pour répondre. En matière de blague, il semblerait que le train de l'originalité soit parti sans vous. Là, on a affaire à un petit clash sympa qui reste plutôt bon enfant et tout, mais vous allez voir que j'ai d'autres exemples à vous montrer qui sont un petit peu plus péchus, on va dire. Mais juste avant ça, les gens, j'aimerais vous faire une annonce de la plus haute importance. Le mercredi 31 octobre 2018, j'organise un live spécial Halloween. Ça va se passer sur ma chaîne Twitch, donc d'ores et déjà, allez vite la suivre. Elle est dans la description. Le live commencera à partir de 14h et se terminera à 18h. Je serai avec Sofiane toute l'après-midi. On est en train de vous concocter un petit programme plutôt sympa, donc d'ores et déjà, activez la petite cloche, ça fait plaisir. Et bien sûr, on vous attend le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14h sur Twitch. Le lien est dans la description. Et pour fêter ça, nous avons Will Smith, très joli jeu de mots au passage, qui interpelle Free Mobile. Et s'il te plaît, vous pouvez aller niquer vos mères et remettre mon réseau par la même occasion. Smile en colère. Et la réponse de Free Mobile qui ne se fait pas attendre, les deux en même temps ou vous nous accordez un ordre de priorité? Ah, je vous l'ai dit, il va y avoir du lourd là. On est ici en présence d'une réponse plutôt sympa qui passe tout en délicatesse. Et là, on peut dire que c'est extrêmement bien joué de la part de Free Mobile. Même si leur connexion, ça reste de la merde. Alors attendez, parce qu'il y a pire, et là, j'étais pas au courant. Bon, alors je savais déjà que les marques se fritaient à coups de messages sur les réseaux sociaux, mais c'est qu'on a également des pubs officielles qui passent à la télé où les marques se clashent. Alors moi, innocent comme je suis, je pensais vraiment que c'était interdit ce genre de choses. Et là, comme vous pouvez le voir sur le message juste à côté de moi, il en est rien puisque la pub comparative est autorisée en France depuis 2001. Bon, cependant, ça reste très peu répandu en France, tout simplement parce que je pense que les marques se respectent entre elles. Et donc en 2016, nous avons deux grands géants, Burger King et McDonald's, qui se sont affrontés à coups de pubs interposées. Et je vous propose tout simplement de regarder ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder la pub de Burger King qui veut défoncer McDonald's, et on regardera ensuite la réponse de McDonald's. Petite air de guitare bien derrière. On va analyser ça ensemble, tranquillement. Donc là, on a un smear mort qui passe. Et en fait, voilà, ils sont en train d'installer un big panneau pour indiquer tous les Burger King. À côté, un tout petit panneau McDonald's, bien sûr. C'est une pub française, hein. Burger King Drive, 258 km. McDonald's à 5 km. Donc le McDonald's, bien sûr, c'est le plus proche. Et pourtant, vous allez voir. Voilà, il passe au drive de McDo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand. Grand, ouais. Un grand. On a de la route, en fait. Et merci. Voilà. En fait, ils prennent juste un café pour aller... À 253 km, votre Whopper vous attend. Merci à McDonald's d'être présent partout. Voilà. C'est quand même dégueulasse, on est d'accord. C'était plutôt gentil, c'est pas cool, mais ça reste bon enfant, on va dire. Alors en fait, avant de voir la vidéo de Burger King, il fallait d'abord regarder celle-ci, parce qu'apparemment, c'est McDonald's qui a commencé. Donc ça, c'est la publicité originale de McDonald's qui a, on va dire, trollé gentiment Burger King. Et vous voyez que c'est à peu près la même. Voilà, ils installent un gros panneau Burger King et tout, avec un tout petit panneau McDonald's juste à côté. Le Burger King à 258 km, le McDonald's à 5 km. Tout ça pour dire au final le message que McDonald's sera toujours plus proche de vous par rapport à Burger King. Voilà, fallait voir cette vidéo en première. Autant pour moi, je me suis trompé. Ça arrive. Avec plus de 1000 McDrive, McDonald's est plus proche de vous. Eh oui. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la réponse de McDonald's à Burger King. Et pour ce faire, je pense qu'on va simplement taper pub McDonald's clash. Voilà, tout simplement. Et donc, on a celle-ci qui est vraiment pas mal. Publicité McDonald's contre Burger King Allemagne. Voilà, donc là, on a un petit gamin qui mange ses frites McDo tranquillement. Il se fait racketter, bien sûr, mais je veux dire que ce soit un McDonald's ou autre chose, il se serait fait racketter dans tous les cas.
Ah, c'est ça, mon vieux. C'est les chacals, hein. Voilà, le pauvre petit. Et allez, il s'est encore fait racketter son paquet de McDonald's. Ah, c'est triste, quand même. Il restait plus qu'une frite. Mais vous allez voir qu'il va avoir une idée plutôt sympa. Hop là, il s'est encore fait piquer son paquet de McDonald's. Voilà, là il a une idée plutôt sympa. C'est là que vient le troll en fait. Tout le monde passe à côté de lui, personne ne calcule. Voilà, il a mis un paquet de Burger King derrière son McDonald's. C'est dégueulasse quand même. Bon, ça reste bon enfant, mais n'empêche que vous avez vu que ça se tape quand même un petit peu sur la gueule. Il y en a une que je voulais absolument vous montrer. Vraiment, elle m'a fait marrer de ouf. Je m'attendais pas du tout à la chute. Je vous laisse regarder ça. Petite canette de coca. Tout va bien jusqu'à présent. Rien de... Deuxième canette de coca. C'était pour prendre un Pepsi. Elle est cool quand même celle-là. Je vous propose maintenant de regarder la deuxième publicité. Donc là, ça va être Audi qui veut clasher tous ses concurrents. On regarde ça ensemble. Qu'attendez-vous d'une voiture? Le design? Donc là, on a le signe Alfa Romeo. Le confort avec Mercedes. La sécurité? Là, je vois pas bien le signe. Et donc, la sportivité avec BMW. Et voyez qu'en fait, le signe, voilà, dans une seule voiture, le signe, ça fait Audi. Voilà, c'est plutôt bien joué, c'est finement joué de la part d'Audi. C'est plutôt cool, il y a un gros postillon qui est parti comme ça. N'hésitez pas à screen et à me l'envoyer sur Twitter si vous l'avez vu, ça me ferait extrêmement plaisir. La quatrième, on est sur une idée de Samsung qui veut clasher Apple. Donc vous allez voir que ça reste plutôt bon enfant, c'est très correct. On regarde ça ensemble. Le Galaxy S9 est vraiment puissant. Voilà, donc là c'est un fan Galaxy S9 plus l'autre iPhone. You know what I think is powerful? On iOS 12, you can FaceTime up to 32 people at the same time. Why would I ever want to do that though? All right, well, do you know what I think? Voilà, avec l'iPhone, vous pouvez faire un appel jusqu'à 32 personnes en FaceTime. L'autre y répond avec son S9, bah c'est vrai, pourquoi je ferais ça en même temps? C'est pas faux, c'est très finement joué de la part de Samsung. Moi vraiment, j'ai bien aimé cette publicité, c'était plutôt cool. On va passer sur la cinquième pub et vous allez voir qu'à la base, celle-ci, donc on part sur une idée de Mercedes qui ne clashait absolument personne. C'était juste une pub pour leur propre marque, sans parler des autres. Voilà, donc là, la pub Mercedes... Donc par sécurité, je vais remplacer cette musique par une autre parce que je sais littéralement que je vais me prendre des droits d'auteur. 5 marques qui se clashent avec des pubs créatives. Donc là, on est sur une idée de Mercedes et ils ne partent pas du tout sur un clash. Ils parlent uniquement de leur voiture, de leur modèle. Voilà, avec un petit poulet. Donc cette pub, en fait, elle est là pour montrer la stabilité de la voiture, tout simplement. Voilà, Stability All Time, Magic Body Control. La conduite intelligente par Mercedes-Benz. Donc à la base, c'était pas un clash. Et là, on a la réponse de Jaguar. Voilà, Jaguar qui reprend l'idée de Mercedes. Toujours. Pour montrer la stabilité. Et voilà la chute. La Mercedes qui se fait manger par le Jaguar. Voilà, le Magic Body Control, on préfère les réflexes félins. Jaguar, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. C'est bon enfant, c'est une petite tartine, pas trop sévère. Alors là, j'aimerais décerner la palme du clash à cette société. On va lire le tweet ensemble. Tout commence bien, je vais faire un thread sur comment garder une meuf. Thread, vous avez vu mon accent anglais? Il nous donne donc son premier conseil, n'allez pas la voir tous les jours, sinon elle se lassera vite. Laissez-la mijoter de temps en temps. D'accord, très bien, pourquoi pas. Deuxième conseil, nous dit-il, ne jamais lâcher vos amis pour votre copine en début de relation. Ne lui montrez pas l'impression que vous êtes prêt à tout foutre en l'air pour elle. Ouais, pourquoi pas. Troisième conseil, jamais, mais jamais... parler à une fille que ta meuf aime pas. Ça me semble extrêmement logique. Dites-lui des mots apaisants, doux, mais pas trop banals, sinon elle va se lasser trop vite, nous dit-il. Et enfin, le dernier conseil, faites-lui beaucoup de cadeaux, même si vous les avez volés chez Carrefour. C'est l'intention qui compte. Et on a donc la réponse de Carrefour à ce magnifique tweet. Est-ce que tu penses qu'elle restera avec toi quand tu seras en zonzon? Boum, boum, boum.
C'est juste énorme, j'adore. Bon écoutez les gens, on va se laisser ici pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, je compte sur vous pour laisser le petit like. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas bien sûr toujours que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. Le lien est dans la description. Et je vous attends mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14h sur ma chaîne Twitch. Toutes les infos sont en description. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao, bye bye.